Véritable icône de l'industrie automobile, la Honda Civic se renouvelle à l'occasion de son 50e anniversaire. Vous avez devant les yeux la 11e génération, Karadzic vous la présente. Et avant de connaître tous les secrets de cette nouvelle Civic, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. La Civic est un modèle incontournable. Depuis sa création, il s'en est vendu plus de 27 millions d'exemplaires dans le monde et même près de 200 000 en France en l'espace de 50 ans. Au fil des années, en grandissant régulièrement, elle est passée de la citadine à la berline à mi-chemin entre la compacte et la familiale. Aujourd'hui, c'est la 11e génération qui se présente à nous. Pour cette nouvelle génération de Civic, Honda a complètement revu le style de sa berline. Alors on remarque immédiatement le capot au dessin plus simple, il y a moins de nervures, il est également plus horizontal. La calandre, elle, diminue au niveau de la hauteur mais elle s'élargit. Bonne taille également concernant les projecteurs qui sont relativement effilés. Une ligne de caisse parcourt toute la longueur du véhicule, elle part de l'aile avant jusqu'à l'aile arrière. Et justement, la partie arrière, c'est l'une des particularités de cette nouvelle Civic puisqu'elle a des fausses aires de berline coupées. Les dimensions restent encore secrètes, mais la longueur devrait avoisiner les 4,60 m. La surface vitrée augmente, tandis que la hauteur du hayon, désormais en composite, se réduit de 50 mm. À l'intérieur de cette Civic, c'est une véritable révolution. Fini la planche de bord assez complexe, très futuriste de la précédente. On a quelque chose de beaucoup plus simple, qui s'inspire de celle du dernier Honda HR-V. Donc une planche de bord très horizontale, assez épurée. Vous avez un écran multimédia positionné sur le haut de la planche de bord qui mesure 9 pouces. Face au conducteur, une instrumentation qui peut être 100% numérique et mesurer plus de 10 pouces. Honda a voulu faire la simplicité. Tout ne passe pas par l'écran, puisque vous avez par exemple des commandes de climatisation qui sont physiques. À noter le look assez sympa des aérateurs qui sont camouflés derrière une grille façon nid d'abeille. Pour le reste, la qualité des matériaux est plutôt bonne et il est de même de l'assemblage. Aux places arrière, grâce à l'empattement augmenté de 35 mm, la Civic propose une très bonne habitabilité, que ce soit pour l'espace aux jambes ou la garde au toit, de préférence pour deux personnes, en raison d'un tunnel volumineux. Le volume de coffre inconnu pour l'instant promet d'être généreux et du même acabit que l'ancienne, qui en possédait un de 478 litres. La Civic, déjà bien pourvue en aide à la conduite, hérite d'un airbag central, d'une conduite semi-autonome de niveau 2 et pour la première fois chez le constructeur japonais, de feux de route adaptatifs. Cette nouvelle Civic sera uniquement disponible en hybride, pas d'essence et encore moins de diesel. Sous son capot, on trouve donc un nouveau moteur à injection directe à cycle Atkinson de 2 litres. Celui-ci est associé à deux moteurs électriques qui sont utilisés en priorité pour faire avancer la voiture, le thermique intervenant seulement aux vitesses les plus élevées. La puissance maxi cumulée de 135 kW, soit 184 chevaux, et le couple atteint 315 Nm. Honda annonce des consommations et des rejets de CO2 excellents avec moins de 5 litres et 110 grammes. Cette nouvelle Civic arrivera en concession à l'automne prochain. Les tarifs ne sont pas connus pour l'instant, mais seront dévoilés en juin 2022. Première sortie officielle de cette nouvelle Civic, c'est aujourd'hui au Salon de Lyon.